Bonjour, comment allez-vous? Écoutez, nous sommes toujours en vacances, on est toujours dans les Landes. Il est 7h30 du matin et il fait actuellement 25 degrés. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il est annoncé la journée la plus chaude de l'année, voire même la journée la plus chaude que je n'ai jamais vécue, avec un ressenti à 50 degrés. Et nous allons partager ce 24 heures caniculaire ensemble. Let's go! En fait, ce qu'on va voir surtout, c'est l'évolution de nos corps aussi et de nos visages tout au long de cette journée chaude. On peut noter que je démarre cette journée en pantalon. Parce que dehors, en vrai, là, il fait presque frais. Parce qu'il y a un petit vent. Petit vent frais. Donc pour le moment, on savoure ces moments agréables. Tu sais qu'ils viennent de dire que c'est peut-être la journée la plus chaude de l'histoire qu'il y ait jamais eu. Ah voilà, ah, de l'histoire. Ouais. De l'histoire. Non mais sérieux, c'est vrai. Allez, let's go. Oh. Et là, il fait combien? On va regarder la température. Il est 8h du matin, on est déjà opérationnel, on va aller faire des petites courses pour pallier à cette journée caniculaire. Et d'abord, je laisse Luc faire la manœuvre. On est encore dans la fraîcheur matinale, il fait 24 degrés. Franchement, là, ça va. Ça va. Il fait vraiment bon, il n'y a pas besoin de clim, rien. On savoure cette fraîcheur. On est sur un indispensable canicule. Indispensable. Par contre, est-ce qu'on n'en prendrait pas 4? On est quand même beaucoup. Ouais. On en prend 2. On se passera les raquettes. Aïe, le... C'est quand même mon con comme soir, je crois. Oh, j'adore. On prend les deux. Vas-y. On pense à bébé aussi, petite piscine caniculaire. Bam. Enfin non, anti. Tu peux m'acheter un truc, moi? Vas-y. Tu vas t'acheter ça. Je sais ce qu'il veut se prendre. Quoi? Ça? Ouais. C'était sûr? Je veux une photo Instagram de Loïc là-dedans. Tu l'auras. Bon, on est clairement pas là pour rigoler. Pardon, madame. Je fais peur. Tout le monde me regarde, c'est très gênant. Non, mais aucun rapport. Ah, alors. Ça va fondre avec la canicule. Mais c'est très déconseillé le chocolat. Ouais. Pour la canicule, c'est très important ça. On peut pas comment on la croque? Non, on va casser le mur B. Mon cœur la caution. Non, mais si on la met genre au sol. Non, pense à la caution. Non. Au sol. Oh, ouais. J'ai un péché mignon l'été. À boire bien frais, avec plein de glaçons. Attends, ton père, il nous a donné une liste de courses parce qu'à midi, il voulait faire à manger. Pain. Tomates. Oignons. Et du thon, on en a du coup. On est sorti de la clim. Retour à la vraie vie. En vrai, ça va encore. Ça va, mais tu sens que ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer très légèrement. C'était très drôle aux courses parce que je regardais. J'adore faire ça, analyser les courses des autres, tu vois. Et là, tout le monde avait glace, boisson, glaçon. Voilà. Il n'y a que moi, j'ai acheté un truc un peu improbable. Bon, en 30 minutes, on a gagné déjà 4 degrés. Il est 9h15 du mat. Bah, et encore, on était 30. Garé à l'ombre. On était à l'ombre, ouais, il fait 30. Ça va clairement être notre QG du jour. On est dans un cadre absolument incroyable. Donc, on est dans les Landes, on est à Seignos. Et en fait, on a trouvé une maison qui est dans un golf. Donc là, peut-être qu'on les verra au cours de la journée. Quoique, je ne sais pas s'il y aura des courageux pour golfer aujourd'hui. Mais en fait, il y a un trou juste là. Voilà, et donc on est en vacances. On avait fait la première semaine avec mes beaux-parents, ma maman et tous nos enfants. Ma maman est partie, donc maintenant il reste mes beaux-parents et les trois enfants. On est allé acheter des petits thermomètres extérieurs pour pouvoir suivre cette température qui normalement s'annonce chaotique. On va installer tout ça et surveiller la température. Bon, premier point, température à 10h. On va le laisser là au soleil et let's go. Il est déjà très chaud, on est d'accord. Là, on est dans le stade où on peut encore jouer à l'ombre. Bientôt, ça ne sera plus le cas, je crois. Je vais te défoncer. Maman, maman, point. Recharge les batteries. Non. Oh non, dis-nous pardon. Ah, maman, j'ai... Bébé. Bravo. Mamie. Je vais vous dire qu'on l'a pas fait exprès, mais vous allez jamais me croire. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Waterdrop. Waterdrop qui propose une façon originale de boire plus d'eau. Et on est en pleine canicule. En canicule, il faut
s'hydrater, donc je rappelle. Est-ce qu'on n'est pas dans un placement de produit absolument parfait? Et pour vous hydrater, Waterdrop vous propose la carafe filtrante Lucie. Elle a pour but d'améliorer le goût et l'odeur de l'eau du robinet. Votre carafe est prête en quelques secondes en glissant le petit Clarity Pad Lucie, qui est plus petit que des solutions de filtrage qui sont comparables. A savoir qu'il est conçu pour durer environ 4 semaines, soit 120 litres d'eau. On est sur une carafe ultra pratique qui va rentrer très facilement dans votre frigo, avec une filtration 4 fois plus rapide. Et ça filtre les métaux lourds, plomb, cuivre, le chlore, les œstrogènes, les résidus de médicaments et les particules micro. C'est clairement un concept que je valide. Si vous voulez découvrir ce que propose Waterdrop, toute la gamme complète, je vous donne rendez-vous sur leur site. Vous avez 10% de remise sur tout le site avec mon code ATELIER10. Vous avez toutes les infos juste en dessous, en barre d'infos. On va aller faire un point température. Il est quelle heure là? Il doit être 11h. Il fait déjà très chaud. Au soleil, 43 degrés. 43. C'est une blague. Ah mais en plus, ça l'affiche même pas bien le... Thermomètre bug. 43,7. Oh, à 11h du mat. Non. Vas-y là. Va s'affronter dans une bataille de bouées. Mais je fais que tomber. Le premier à l'opère. Je suis le lama. Mathis est la tortue. Et Luan est Nemo. Non, t'as pas le droit d'être une lama. T'as pas... Tu peux pas tomber. J'ai pas le droit d'être une lama. Ah ah. Mais t'es... Je suis pas tombée. Si, t'es tombée. T'as voilà, pas Victor de Loulou. Pas... Mais non, je suis pas tombé. Mais oui, là, t'es dans l'eau. Mais voilà. Non. Voilà, t'es tombé. Bon, il est midi. Là, au soleil, on commence à avoir du mal à tenir. Il fait combien? 44. Bébé, 43,9. Comment? Ah non, attends, on a eu une maximale à 46,1 déjà. On peut dire officiellement que c'est la canicule. Franchement, on voulait relancer une partie de raquette là, mais trop chaud. En vrai, en pleine canicule, la vidéo, elle devrait se contenter à ça. Rester au frais. Ouais. Là, on a regardé la météo et en fait, ils disent que ça va grimper vers 15-16 heures, c'est ça? C'est bizarre d'ailleurs, je pensais qu'il ferait le plus chaud à midi. Donc, ouais, on va voir ça dans les prochaines heures. Là, Eden est en train de manger tranquillou. C'est aussi pour bébé qu'il faut voir comment gérer la canicule. Donc, on lui a pris sa petite piscine, là, on va un peu le rafraîchir. Et boire. Le vin, ça compte? Bon, apparemment, le vin, ça compte pas. Il est 14h30, on a mis Eden à la sieste là. Honnêtement, c'est à la limite du respirable dehors. Il fait très très chaud. On est à 49 degrés en maximal et 48 degrés en minimal. On va se trouver des petites activités rafraîchissantes et peut-être une sieste, pourquoi pas. Je me retrouve littéralement seul au monde. Eden est à la sieste. Mathis m'a quitté aussi. Je sais pas où il est allé, il est avec moi. Luan est posé sur le canapé. Les vieux sont à la sieste. Et Ninou est à la sieste aussi. C'est le calme absolu. En plus, il y a eu des recommandations là, qui sont passées dans la région. Donc, ils ont fermé absolument toutes les forêts pour les risques d'incendie. Et donc, du coup, ils ont incité les gens à rester chez eux et à se rafraîchir. Chose que je fais. Ou à faire la sieste. Chose qu'ils font. On a explosé tous les thermomètres de la maison. Donc là, ici, en fait, c'est les maximales. Donc on a largement dépassé les 50. C'est-à-dire que là, si j'écoute mon thermomètre, s'il faut, il fait 60 degrés, les gars. Mais combien il fait au... Là, en vrai, alors, comment vous expliquer ça? Même à l'ombre, t'as l'impression d'être dans un chauffage. C'est incroyable, j'ai jamais vu une chaleur pareille. Non, mais le thermomètre a explosé. Après 1h30 de lecture de règles, hier, on a trouvé ça. Et on va se le faire, hein. Je crois que j'ai approximativement compris les règles. T'es prêt à perdre? Oui, t'es prête après à perdre? Je vais les dégommer. Bon, il y en a un à qui la canicule réussit, c'est Eden, qui a cumulé presque 5 heures de sieste en une journée. C'est les points positifs des chaleurs, c'est que les bébés font dodo. Ou pas, hein. Ça peut être quitte ou double. Aujourd'hui, c'était double. Demain normalement, il n'y a plus de canicule. Et nous, quasiment 17h, j'en perds la boule. On l'avait mis à l'ombre. 42 degrés à l'ombre. Là, et franchement, appelez-moi Madame Météo. Hein. Bon, canicule ou pas, c'est l'heure de manger, quoi. Ah, mon bébou! Mon bébou!
j'ai un jeu pour vous. Vu qu'on est bien que dans l'eau, je vous propose de tenter un aller en apnée. Ah, mais j'y arrive pas. Ah, vas-y, moi, Loulou. Oui. Moi, je suis sûr que tu la bouffes, toute Loulou. La vas-y. Ouais. Vas-y, Loulou. Allez. Loulou, elle est facile. Ouais. Voilà, tente le retour. Maman, tente le retour. Ouais. Arrête, maman, putain, t'es chiant. Comment faire fuir un ado en 5 secondes? Matt. Arrête. C'est qui la meilleure mère au monde? C'est toi. La plus belle femme au monde. Chaud. Laisse-moi un câlin. Non. Touché. C'est une activité qu'on peut également faire, mon amour, en pleine canicule. La sieste. Effectivement, on est bien. Mais quand on est arrivé ici, ils nous ont dit à tout moment si vous voulez allumer la cheminée. Après, demain, ils ont prévu 20 degrés de moins. Mais c'est ça qui est incroyable. Tout le monde me dit demain soir qu'on aura les pulls. Mais bébé... Mais en vrai, c'est fort probable. Hein. Quand on arrive, on avait les suites. Hein. Petit point météo. Il est 19h30, il fait 40 degrés. Aucun nuage n'est à l'horizon. Un petit vent très chaud se lève. Peut-être que ça va nous emmener de la fraîcheur de demain. Écoutez, il s'est passé pas mal de trucs. Pas des trucs fous, mais des trucs du quotidien. La douche a été prise, ça fait du bien. Eden est déjà au lit. En vrai, là, depuis qu'on est ici, il se couchait beaucoup plus tard qu'à la maison. Parce que bah, on est en rythme de vacances, que le soir, on a tendance à aller manger dehors, à aller voir les beaux couchers de soleil dans les Landes. Et du coup, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Eden qui se module facilement, alors qu'à la maison, d'habitude, pas du tout. Si on le couche plus tard, il se lève toujours aussitôt. Et je pense que les vacances lui réussissent parce que si on couche à 20h par exemple, bah, il va se lever à 8h. Il va quand même faire ses 12 heures de sommeil. Bon après, là je fais la belle, mais la semaine dernière, on a eu des vacances un peu chaotiques niveau dodo parce qu'il est tombé malade. Et du coup, on a eu des belles nuits blanches. Là pour le moment, depuis qu'on est ici, franchement, il dort de ouf. Je sais pas si c'est la chaleur ou si c'est le lit aussi. Le lit bébé qui est ici est absolument dingue. Que je touche du bois parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, on le sait, hein, nous les parents, ça nous porte l'œil et après il dort plus. Je me suis habillée non pas parce qu'on prévoit de sortir, mais parce que, pour tout vous dire, en fait de base on devait rester ici une semaine et on kiffe tellement le lieu, tellement la région qu'on l'a reprolongé d'une semaine et qu'on est en train de se tâter à reprolonger une troisième semaine. Tout ça fait qu'on a une valise qui ne contient qu'une semaine de vêtements de vacances et je n'ai pas pris de pyjama short ou court parce que Julie avant de venir m'avait dit le soir il fait froid, prévois des trucs couverts quoi, genre sweat, pantalon. La canicule n'était pas au rendez-vous, enfin n'était pas prévue. Bon, on a clairement beaucoup parlé de chaleur et d'hydratation dans cette vidéo. Et là, j'ai eu beau me crémer, mais j'ai mis des épaisseurs incroyables de crème. J'ai la peau qui tire de ouf. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas se faire un masque super hydratant et repulpant. Hein, on va s'occuper de notre peau, parce que l'été, clairement, la peau prend un coup de ouf. Ouah, ça me... Ouh, je suis en train de faire... Ah non, mais c'est imbibé, ça coule. Bon, d'habitude, les youtubeuses ou instagrammeuses beauté, elles ont genre le beau bandeau dans les cheveux et tout. Moi, ce n'est clairement pas le cas. Je vais faire carnage. Oh, mais j'imaginais pas du tout ça comme ça. Ok. Oh mon Dieu, le masque de l'horreur. Alors, attends. Oh putain, c'est trop agréable. Oh, c'est tronche. Putain, je viens de me laver les cheveux. Roxane, t'es un boulet. Alors, de base, je voulais qu'on papote un peu. Mais je me dis, si je commence à papoter avec cette tête, vous allez plus vous concentrer sur ma tronche que sur ce que je vous dis. Mais je vous jure, c'est trop agréable. Oh mon Dieu. Mais j'ai rarement vu un masque qui fait une sale gueule comme ça. Le masque est appliqué, il faut le poser à 15 minutes. Infusé avec l'équivalent d'une bouteille de sérum. Acide hyaluronique et grenade, très bien. Ça va virer les rides et ça va hydrater la peau. Là, du coup, je me pose le temps du masque et je suis surtout en train de percuter que, du coup, ça va faire 10 jours qu'on est ici. Putain, déjà, ça passe trop vite. Et je me suis quasiment pas... Enfin, je me suis pas posée sur le tel, mis à part pour poster des stories ou enfin du contenu. Mais j'ai pas traîné, genre, sur les réseaux. J'ai rien fait, donc je ne sais pas ce qui se passe sur la sphère Instagram. Donc on va un peu aller voir ça ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il y a eu le festival ce week-end. Parce que je vois toutes les photos des influenceurs au festival. Putain, moi c'est tellement pas mon délire. Je vais même vous dire quelque chose. J'ai jamais fait de concert de ma vie. Mais c'est pas, ouais, c'est pas d'être genre de toi. Après, ne jamais dire jamais. Si un jour j'irai, je dirai putain, j'ai raté ma vie, c'est génial. Mais ouais, j'ai pas le genre de truc qui me chauffe actuellement en tout cas.
Bah, y a que du festival, du coup. Je ne vois que ça. Ah non, alors on voit, là c'est selon mes recherches, c'est suggéré de la bouffe et des recettes. Du coup, je suis en train de vous parler avec ce masque sur la gueule, alors que j'avais dit que je le ferais pas, et que vous êtes sûrement en train de figer sur ma tronche et je parle dans le vent, mais c'est pas grave. En plus, quand je parle, c'est horrible. Mais ce masque est horrible. Je vais m'ouvrir la bouche, voilà. J'aurai pas le dessous de nez. Oh, mais c'est pire. Ah, je me fais mon délire toute seule. Je l'enlève et comme ça, je continue ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, tu peux quitter. Oh putain, mais par contre, je sens. Est-ce qu'il faut rincer? Qu'est-ce qu'ils disent? Masser en douceur et après rincer. Ah, on va mettre. Ah, je vous jure, je la sens l'hydratation. J'en avais trop besoin. Moi, j'ai toujours les cernes, par contre. Ah, ça, quand on a un bébé, je crois qu'on a les cernes pour les 10 prochaines années. En vrai, depuis que j'ai Eden, je prends plus trop le temps de m'occuper de ma peau. Alors, j'ai décidé de m'y remettre cet été-là. Ce que je fais, mais je fais le minimum en vrai, alors que vraiment avant, je faisais souvent des masques, les gommages, j'avais la crème pour les yeux, la crème pour tout, vous savez, une crème spécifique pour chaque truc. Et je le fais plus trop en vrai. Objectif, prendre soin de soi et prendre du temps pour soi. Alors, je finis juste avec ce que j'étais en train de vous dire, parce que c'est vrai que pendant les vacances, du coup, oui, je suis quasiment jamais sur le téléphone, sauf pour ce toc dont je vous ai parlé sur Instagram. C'est quand je fais mes photos du jour, j'ai cette envie incontrôlable de faire mes retouches immédiatement, voire le soir même. Donc c'est vrai que tous les soirs, je me pose 30 à 45 minutes sur les retouches des photos que j'ai fait le jour même. Et oui, après, quand je vous parle de retouches, je photoshop pas mes photos, je modifie pas les personnes que nous sommes, mais je prends plaisir à retoucher les lumières, la saturation, les couleurs. Et là, je suis en train de retoucher une très très jolie photo que Loïc a pris de Eden et moi. Et j'en suis littéralement amoureuse parce qu'il lâche un sourire de ouf. Donc voilà, j'ai mes petites photos du jour, j'ai des photos de Boubou, de Mathis, de Loïc, de ma belle-mère. Donc je vais retoucher toute la famille et j'aurai le cœur plus léger après parce que c'est quelque chose qui m'obsède vraiment. Il fait 25 degrés. On a perdu 25 degrés. En l'espace de quelques heures en vrai, même pas, en une heure c'est descendu d'un coup. Limite là, le gilet je le supporte. Finissons cette journée caniculaire à 22 degrés avec 25,1 degrés. Madame Météo va vous quitter pour aujourd'hui. On a joué au Molki. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà joué au Molki? C'est très cool en vrai. Bon, la partie a duré 4 heures. Mathis a encore été relativement mauvais perdant. Apparemment, c'est à cause du vent. Oui, le vent. Le bois, il faisait comme ça. Il y a eu le vent, il y a eu plein d'éléments perturbateurs dans la partie. Bon. En tout cas, chaleur ou pas, on a passé une très bonne journée. On espère que vous avez passé, j'ai la tête éclatée quand même, un bon moment avec nous. On vous aime de ouf. De dingue. De dingue. De malade. Et on se retrouve très bientôt ici. Ou ailleurs. Dans une nouvelle vidéo. Voilà, exactement. Bisous. Allez, ciao. Ciao.